Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve sur Roller Champion. Donc un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, il y a environ 3 mois, donc qui est fait par Ubisoft. Donc j'ai juste fait l'entraînement. Donc on va faire la première partie, donc on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu d'entraînement réel contre des joueurs, donc partie rapide évidemment pour un truc assez classique. Donc un match classique en 3v3, on va essayer. Ok, du coup on se retrouve au match. Alors le jeu se passe dans le futur du coup. 2032. Allez. Donc il va falloir s'habituer aux touches. Pour prendre de la vitesse. Ok, j'ai réussi. Alors, j'ai voulu la passer à un coéquipier, mais ça marche bof comme je voulais. J'aurais dû continuer en fait dans le sens où j'ai volé la balle. Merde, ça l'a pas bousculé? Ok. Je sais pas trop à quoi servent les super cute. Ok, surtout que... Ah ouais, on peut frapper en l'air en fait, ok. Alors ça ressemble un peu à rien pour le moment. Surtout que j'arrive pas à choper la balle. On va faire le tour. Merde. Ok, faut que je pré-shot en fait là. Le coup un peu plus. Ouais. On n'a pas l'air de pouvoir pousser ses coéquipiers, ça c'est plutôt pas mal. Non. Un peu bois, hein. Allez, le bleu qui a la balle. Voilà. C'est beaucoup plus pratique en fait avec la caméra à balle. Donc là, mon but du coup, ça va être de défendre mon coéquipier. Voilà. Merde, j'ai loupé. Voilà. J'ai décommé les deux. Ok, il a loupé. En plus, on peut avoir 5 points là. C'est assez ouf. J'ai enfin réussi à choper la balle. Merde, j'ai pas l'impression qu'on puisse en fait arrêter de lancer la balle. Voilà, j'ai dégommé les deux. Il y a bel et bien un jeu d'équipe, ça c'est cool. Ok, il a loupé la balle. Je pense qu'il devrait plus arrêter de tirer et essayer en fait de...
de direct sauter dedans. Voilà, on pousse le bleu. On en a poussé deux. C'est ouf le nombre de trucs qu'il a loupé. Il y a eu beaucoup de possibilités puisque du coup on est à plus 5 depuis tout à l'heure. Bon, il est encore loupé. Désolé pour ce joueur jaune. Mais... Ok, il a encore loupé, attention. J'ai loupé aussi. Merde, l'interception, faut aller voler vite fait là-bas. Non, j'ai loupé le bleu. On va les prendre dans l'autre sens. Voilà, j'en ai deux. Il faut juste un point en fait, c'est ouf. On n'a pas besoin du miracle en fait. J'en ai redégommé deux, allez. Caméra balle, on va prendre. Non, j'ai loupé. Ok, j'en ai un. Ok, c'est un bleu qui a rechopé là-bas. On fait bien gaffe. Voilà, je l'ai rechopé. Ça c'est fait. Ok, je suis allé un peu vite. Je pense que j'aurais dû continuer à attendre deux tours. Ok, interception. On va le prendre dans l'autre sens. Ouais. Merde. Voilà, j'ai rechopé la balle. Allez, un peu de prolongation. La première partie va être un peu longue. Merde. Ah non, non, non. Je vais aller faire demi-tour. Ah, ok. Alors, oh bon bah écoute, plutôt chaud, je crois pas qu'ils avaient fait d'appel en fait pour avant. Non, ça va être chaud. Ah, je l'ai loupé. Allez, deux en moins, ça sent vite trop bien.
interception. On est bon. Maintenant, on va protéger mon joueur. Voilà, on dégage lui. Je l'ai loupé. Match nul, sérieux. Premier match, c'est un match nul. Dommage, dommage. Plutôt chaud. Plutôt long d'ailleurs comme match. 7 minutes, c'est vrai que ça ne demande du temps. Alors, côté gain, ok, un système en fait de fans. J'avais vu qu'il y avait des quêtes aussi. Ok, il y a un système aussi de passe que j'avais vu. Donc, ok, fan gagne en carrière. On skip et on va aller voir le reste ensuite. Alors, tu as remporté ton premier bonus quotidien. Donc, ok, et il parle du pass. Donc, hop. Donc, les messages, on peut les supprimer. C'est pas très très grave. Et du coup, voilà, c'est là. Récompense gratuite, comme dans chaque jeu. Et là, les fameux contrats. Alors, on ne peut pas toucher aux contrats. Hein. C'est des quêtes bloquées qui effectuent une technique collective en match. Ok. Et le reste n'a pas réellement bougé. Donc voilà pour la découverte de ce jeu. Côté de mon avis, le jeu, si j'ai envie de dire, il change. C'est une autre façon de voir un Rocket League, par exemple. Totalement un peu différente. Dans un monde différent qui est le roller. Le jeu est plutôt bien fait dans l'ensemble, à voir côté des terrains en fait qui sont disponibles ou non, puisque là du coup on n'a qu'un terrain. Pour le moment qu'on voit réellement. Donc à voir pour la continuité en fait dans le jeu tout simplement, parce que le jeu est quand même très récent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo.